Ok. Yes. C'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Ok. Écoute bien. 1, 1. Je balance tout dès le premier couplet. Dès que t'entends les cuivres souffler, faut que tu comprennes, t'as eu raison d'écouter. Peut-être j'écris mes dernières pas. Peut-être c'est la dernière fois que je me produis soir. Peut-être que j'ai plus le temps, peut-être que j'en ai marre. C'est peut-être une intro, ça a rien d'une impro. Mais tout ce coin trop m'empêche d'être synchro. Mais pourtant j'essaye d'être synchro et d'un sacro-saint. J'ai ni l'allure ni l'attitude, je veux échapper à la platitude. Tout ce que je trouve c'est la solitude. J'essaye de prendre de l'altitude, mais je retombe vite sur terre. Les mêmes rêves plein la tête, le même béton sous les Nike Air. Les mêmes préoccupations, devenir riche, faire déménager les tarons. Jamais oublier d'où je viens, toujours savoir qui sont les miens. C'est quoi, je m'en fous d'être le plus riche, je braquerai jamais de diligence. Je veux être le plus intelligent, tout en restant diligent. Tu peux le dire à ces dirigeants, et sois sûr que j'ai pas peur. C'est tout au plus leur conscience qu'ils expédient dans ces charters. Et t'entendra pas de what's my name, parce que j'ignore qui je suis moi-même. Un jeune rejeton de l'immigration, élevé dans un état-nation. T'as le droit de me dire que t'es pas d'accord, mais tu peux pas me dire que j'ai tort. Et si t'aimes pas mes rimes, mes sons, retourne dessus, c'est Eric Besson. Je suis pas fier de tout ce que j'ai fait. C'est que le pire est à venir. Honte d'avoir fait honte à ma mère en face, je pourrais pas le dire. Tu sais qu'un homme a sa fierté, son manche, sa parole. J'ai beau faire l'homme devant vous, mais je fais pas de chaud devant la daronne. Mais je fais pas de chaud devant la daronne. Vas-y, laisse-moi clarifier. Que je disais pas falsifié, j'ai l'impression de me scarifier. Mon sentiment, ça sera défié. Mes sentiments sont sacrifiés, et ça sans même être classifié. Aucune intention magnifiée, je veux pas être béatifié. Mais putain, yo, j'ai passé tellement de nuits sur ce texte à chercher ce que je voulais dire, à fouiller dans ma tête, à trouver les bons mots et les bonnes expressions, à faire court et efficace. Ce texte, c'est comme un expresso. Je me suis défoncé les pupilles à la lumière de ma lampe. J'y ai ôté la goupille et je l'ai posé contre ma tempe. J'ai attendu qu'elle pète. J'ai attendu qu'elle explose, mais il s'est rien passé. C'est mon crâne qui implose. Ça a rien de psychologique, c'est peut-être toxicologique. J'ai l'intention de vous droguer avec du Dolby prologique. Mais à force d'être trop logique, on oublie vite les objectifs. En l'occurrence, cet objectif est au plus près du descriptif. Je vais pas me contenter d'inventer ou de me vanter, de représenter. Je vais documenter ce que j'ai fréquenté, enfanté, ce qui m'a alimenté, ce qui m'a cimenté. Rien d'argenté ou diamanté, mais ensanglanté, édenté, tourmenté, violenté, accidenté, lamenté, épouvanté. Mouvementé, je suis orienté vers la vérité. Sincérité, t'es mérité. J'sais que nous tous on a mérité ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça qu'avant d'écrire un texte, j'm'enfonce mon stylo en plein cœur. Yeah, c'est pour toi que j'fais ça, mon pote. J'te dis que la vérité, j'invente rien. J'parle que de ce que je connais, j'me livre entier, man. C'est une introspection.